struggling to support. To me, the women, we are going to reinforce their income and their businesses, and the kids, we are going to scholarize. We are going on the ground to go and actually meet them and talk to them and get to know them personally before the big day tomorrow. And I hope we can handle this heat. It's 41 degrees in Bamako. So about now you sang about the African child. Yeah. You danced with them. Yes. Now you are. Now we are concerned with the mothers. With the mothers. So why the mothers? Yeah, because at the end of the day, you don't talk children without talking about those who bring them to this world. And mother is the queen of humanity. And that is why I decided to focus on to use the mother aspect this time around in Mali, working with soul banks especially, which we did the project together. Unfortunately, he can't be here, but he will be here very soon. Faisait ça même ici, elle dressait ici, mais puisque tout le temps elle est malade, donc elle a arrêté. Donc elle essaie de se débrouiller avec ses enfants. Elle vient ici. Donc elle a eu 10 ans, mais 3 sont morts. Donc maintenant il y a deux au village, une est malienne, et il y a 5 ici, dont 4 vont à l'école. L'autre là, il a arrêté d'étudier parce qu'il tellement qu'il veut l'argent. Elle s'appelle Aga Koubouni. Donc c'est une veuve. Elle a perdu son mari avant que ce soit par la mère. Pendant qu'elle est enceinte. L'homme est mort pendant qu'elle est enceinte. Donc lui n'a pas vu. L'homme n'a pas vu le bébé. Donc maintenant, elle en tout, elle a fait 8 grossesses. Mais ce sont 6 qui sont là. Il y a 6 là-dedans, lui a fait pas là. Donc il y a 6 maintenant. Elle a fait 8 grossesses. Mais maintenant il y a 6 qui sont restés. Il y a 6 enfants qui sont restés. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, elle a perdu son mari. Elle est enceinte. Donc maintenant, tous ses fils là, il y a un de ses fils qui est parti chercher l'argent. Oui, il est parti 4 ans. Voilà, il est parti au Congo pour chercher l'argent. Voilà. Il y a un de ses enfants qui allait en aventure. Voilà, elle a 6 enfants. Voilà, elle a fait 3 fausses couches. Voilà, et puis, elle a perdu son mari avant d'avoir son dernier enfant. C'est là qu'il s'est couché sa mort. Son mari était cadreur. Était caméraman. Donc, son mari avait plusieurs morts dans un accident. Comme il connaît l'histoire du mésentère. Son mari est mort dans un accident et il avait une hémorragie interne. Et l'hémorragie interne, ils ont dérougé ça. Ils ne sont pas vu qu'il n'avait rien. Donc, l'hémorragie, après, c'est devenu grave. Et c'était trop tard. Voilà. Maintenant, elle, quand son mari est mort, elle est partie vivre sur son beau, je crois. Sur son beau. Elle va vivre sur son beau. Parce qu'au début, elle était à la maison et puis il la soutenait dans les débuts. Et après, sa femme, la femme de son beau,
a commencé à couper les bénéfices. Donc elle était obligée de venir prendre les œufs. Pendant les œufs, les bénéfices c'est 200 francs, 106 francs. Donc c'est ce qu'il y a la masse pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Donc, elle a combien d'enfants? Elle a 6 enfants. Elle a un qui est parti en aventure. Lui a fini ses études. Lui a déjà fini ses études. Lui a fini ses études. C'est lui qui veut faire la musique. Elle a fini. Il y a un qui fait la musique. Qui veut faire la musique. Qui fait la musique. Voilà. Qui fait la musique. Les autres là, ils sont les autres. Madame Traoré, Founé Kanté. Founé Mousso Kanté, Madame Traoré. Elle est jumelle. Donc, avec les 6 enfants, les 2 derniers enfants qu'elle a eu, elle a eu avec un autre mari. Donc, quand son mari était, je ne sais pas, divorcé, elle trouve ça déjà. Son premier mari, il a eu une maladie. Voilà, il a eu une maladie. Donc, maintenant, elle a divorcé. Elle a divorcé de lui. Quand elle s'est mariée à un autre. Un autre homme là, c'est lui qui a 2 enfants avec qui il a complété la base. Donc maintenant, elle fait des petits commerces. Les petits commerces qu'elle faisait, c'est de acheter viande, elle prépare ça bon, elle va vendre. Mais quand elle faisait ça aussi, le four, avec le four, elle travaille chaque fois, le docteur le demande. Voilà, donc ils ont demandé de ne plus être souvent à côté du four. Donc elle a arrêté ça aussi. C'est ça, il y a des enfants qui font ça pour elle. Eux aussi, ils vont vendre ça pour elle. Donc elle a dit, quand elle a appris aussi, quand on serait là aujourd'hui, elle est venue ici depuis 14h40. Elle nous attend. Elle est venue ici pourquoi? Que quand elle entend que les gens vont venir, et les invités vont venir, vaut mieux que nous venons les trouver ici, que ça c'est mieux. Donc c'est juste elle, elle a dit 14h40. Ne trouve pas une barre. Bien voir les minibus. Je m'en ai nani, elle me semble flasque. Ça va bien voilà, ça va bien être fait. Tu parles un flavolo, ne vous fiez, ne vous charmez, ne vous dérangez. Quand c'est un chaman bien de bas, ne vous irez de là, ne tchèque. Elle dit qu'elle s'appelle Manina Barango. Elle était mariée, mais son mari l'a abandonné, ça vaut. Plus de 15 ans. Elle est plus de 15 ans. Mais il a abandonné aussi pour laisser 6 enfants derrière lui. Les 6 enfants là, c'est elle qui fait tout pour les nourrir. Il n'a pas. C'est-à-dire, il ne se soucie même pas d'eux. Donc, elle vend ce qu'elle nous a montré là, les éventails là. Elle vend éventails, elle fait la petite commerce. Elle vend charbon. C'est avec ça. Elle prépare au marché ici pour pouvoir nourrir ses enfants. Donc c'est sa camarade qui est celle-là. C'est elle qui a entendu ce mouvement-là. Donc elle a appelé tout qu'elle puisse participer. On a écouté tout ce qu'elles ont dit et on a voulu prendre part personnellement d'avoir ce contact avec elles personnellement pour pouvoir comprendre le problème de chacun. Et par rapport à ça, j'aimerais d'abord simplement qu'elles sachent que même comme on va les aider, pour nous, surtout pour moi en tant que femme, en tant que maman, c'est très important pour elle d'avoir la stabilité psychologique, la paix de l'esprit. Donc tout ne se base pas seulement sur le matériel. Et comme lui l'avait dit, il ne sait pas beaucoup de choses sur l'ONG. Nous, on travaille beaucoup avec les enfants démunis. Cette fois, on a choisi d'incorporer les mamans avec ça, parce que qui dit enfant, qui dit maman. La raison pour laquelle on n'a pas choisi des mamans pauvres qui n'ont rien. On a choisi d'abord celles à la base qui ont fait un effort de se battre, avoir quelque chose, en voir que ça ne va pas et puis on vient aider. Là au moins on sait qu'elles ont la volonté de faire quelque chose, elles ne sont pas paresseuses.
leur histoire. Curieusement, moi personnellement, je parle de moi non seulement en tant que l'exécutrice de l'ONG, mais spécialement parce que curieusement, moi-même je me reconnais dans chaque de ces femmes. Dans toutes les histoires. Moi, j'ai accouché des jumeaux. Moi, mon mari est mort par accident de voiture avant de voir aussi les jumeaux. Donc, elle. Ça va aller. Moi j'ai été dans la même situation, donc je comprends beaucoup. Et quand elle a parlé, surtout elle, d'avoir été abandonnée par un homme et se remarier, faire des enfants avec un autre homme. Au fait, c'est comme si c'est mon histoire qui est là. Donc, par rapport à ça, c'est moi, l'ONG, du fond du cœur, on va faire notre mieux. Mon fondateur et mon patron, quand je lui ai dit que je vais entreprendre ce projet, quand j'ai proposé l'idée, il a dit, ok, Karen, toi, tu sais comment est-ce que tu peux gérer ça? Est-ce que tu es sûr? Comme si je savais. Moi, je croyais que oui, je savais qu'elles avaient des problèmes, c'est normal. Mais après avoir écouté, c'est pour cela, si vous avez constaté, quand elles étaient en train de parler, ils me regardaient seulement. Parce qu'ils connaissent mon histoire, donc ils se disaient, ah voilà, la même chose qui t'arrive, c'est ça qui est en train d'arriver à ces femmes-là. Donc, ne serait-ce que pour ça, nous, on va faire de notre mieux qu'elles puissent au moins savoir. Au moins savoir le sourire, parce que être maman célibataire, s'occuper des enfants, c'est pas facile. Moi-même, j'ai 5 ans. Et je suis seule, et je sais comment c'est. Donc elle n'a qu'à diminuer, apaiser leur cœur. Et on va faire notre mieux. Surtout, je remercie Poulbi beaucoup d'avoir choisi ce groupe-là. On peut applaudir pour Poulbi, s'il vous plaît. Ce n'est pas, c'est pas chose facile. Travailler dans l'humanité n'est pas facile. Mais notre but, notre ONG, c'est notre slogan, c'est nous travaillons pour le peuple en sauvant des vies. Donc ça veut dire qu'on va faire de notre mieux, on a donné notre parole et même si c'est un peu, mais on ne peut pas quitter ici tant que ces mamans-là n'ont pas le sourire. Et maman arrête de pleurer. Tant que ces mamans-là n'ont pas le sourire. Donc... temperature was the problem because we left Duisburg with 8 degrees Celsius and immediately got into 42 degrees Celsius. But 30 minutes later, I forgot about the temperature because I saw a lot of kids begging on the streets. I saw children under tents melting and fainting for a living. It shouldn't be that case. So I had to put the temperature aside, like the French who always tell us, la mission avant tout. It was really an opportunity for me to put myself in the shoes of these women. These women have 3 kids, 4 kids, 5 kids, 10 kids. The population increases, yet the means of survival is not there. And I'll call on every person who can donate, or if you have the opportunity and see such a situation, it's time for you to help. It's time for you to do something. Because no matter what we do, it's all about love. My God, it was very, very heart-wrenching and emotional as usual. Yeah, you got emotional back there. What can you tell us about it? Yeah, well, because I could actually relate to each of these women, you know. I mean, at the end of the day, these are women who are talking about men abandoning them with kids, struggling to make ends meet. These are women who are talking about having lost husbands, children who are sick and handicapped, and some kids have to actually not go to school to be able to fend for the families. So at the end of the day, and this is what we strictly fight against, like you know, this is what we strictly fight against, this idea of children being able not to go to school but assisting parents at home. But like what we have seen now, it's not really no fault of theirs. It's just a situation they find themselves in, and it has to be like that. So it was very, very emotional, but I'm glad we came once more
to try to make some sort of impact, whatever we are doing. So before you... I just got a gift! Merci, Baba. I just got a gift. Yes, I was saying. So before you got here. Before I got my lovely gift, I just turned Muslim. So as I was saying, so basically that's just it. And I'm just glad that we came once more to try to see if we can, like we've always done. And I'm just using this opportunity to call on every single person that is going to watch this, to know that there are people out here that really do this, and you should try as much as possible to let your heart speak. It's all about African children. That's our motto, that's our goal. And who says children says mothers. If not for these women, the kids will be here. So here we are today at the mosque. Yes, we are today so at the mosque. What do you have to tell us? You can see it's been very stressful, but at the end of the day and at the same time very, very rewarding. We just scholarized 16 children, paying for their fees for a whole year and providing school furniture for them. And we just provided, foodstuff and goods for 5 families that are affected. And we are also providing, because of this month of Ramadan, some sugar, some milk, just some provisions for 100 women. But what is important is exactly what we came here to do. And it's very, 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 very rewarding, as you can see. So that's what... Depuis la Côte d'Ivoire, vous êtes ici au Mali. Qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que vous avez organisé séance de dons aussi, comme ça, à Dabou. Maintenant, vous êtes au Mali. Quelles sont vos impressions par rapport au projet au Mali? Vraiment, nous avons de bonnes impressions au niveau du Mali. Voilà, nous sommes arrivés depuis avant-hier au niveau du Mali pour pouvoir, dans le mois de jeûne, pour pouvoir faire don à nos parents qui musulmans qui jeûnent dans ce mois béni de Ramadan. Et encore soutenir des mamans avec des enfants aujourd'hui qui n'ont pas de moyens, venir à leur aide pour venir les soutenir. Vraiment, venir leur donner du coup de main et soutenir ces enfants-là, scolariser ces enfants-là et leur donner des bourses d'études, financer les projets de leur maman pour qu'il y ait l'avenir meilleur de nous. Mais ONG Kabara Minke, c'est ça. Vraiment, je suis content de nous voir, ou bien nous sommes dans le monde. Kabara Minke, c'est ça. A Djarame et à Bouyananema. Pour nous, nous rentrons dans le monde. Nema sega bara foi ke kun hali dumini nema sega ke kun men in papier yere ne wasa ka teme hali feminu dirama sasa vraiment bara min kera anye
Adjara Anye Abonyana Ama. Vraiment, la maman dit comme ça, depuis hier, elle a les larmes aux yeux. Depuis qu'elle a vu la délégation de l'ONG venir vers elle, elle a eu vraiment les larmes aux yeux. Donc elle est très, très, très contente, elle est émue. Vraiment, sa voix est vue, comment on appelle ça, le pouce d'étude. Vraiment, elle-même, elle n'a plus de mots à dire. Muso minumbea, sete minunye. Akacha, mali reste, gira, ko sete nyele. Chama de bora. Chama bora fa, jama na deka. Kana kube na fe inina. Dou kera girebuye. Dou yerebe tu sigi wali nafolotiku badala. Kana nafolo, dou be keme soro. Dou be keme fla soro. D'autres dominés restent à deux dioma. Ou bien que mes ministres au bout de deux semaines, car tout le cas du démissionnement. Elle dit vraiment la souffrance du Mali vraiment est énorme. La souffrance du Mali est énorme pour nos mamans qui vivent au Mali. Donc, par contre, ces mamans-là, même, elles sont là, elles font de la mendicité. Elles vont s'asseoir devant la porte des riches pour pouvoir gagner de quoi à manger. Elles n'ont rien pour donner à leurs enfants. Vraiment, si l'ONG peut venir en aide à ces femmes-là, vraiment, ça lève beaucoup les personnes.